Bonjour. Bonjour, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ben, simplement humain citoyen. Pendant cette période de confinement que nous vivons tous actuellement, j'ai décidé que j'allais partager mes expériences, certaines de mes expériences, mes réflexions, mes pensées, mes idées. Et si ça peut aider mon prochain, au moins une personne, je me dis que j'aurais réussi mon confinement. Parce que mon objectif en ce qui me concerne, c'est de me dépasser, surpasser dans ce confinement qui n'est pas habituel. Et puis de ressortir de ce confinement avec un esprit différent de celui dans lequel je suis rentré. C'est-à-dire essayer de rassembler, pourquoi pas, ce puzzle, cet être global que nous sommes, de repenser, de rassembler tout. Une partie de mon puzzle de façon à avancer sur mon chemin, j'irai avec plus de joie, plus serein, plus calme. Enfin, ouais, c'est un beau programme, ça. Surtout pas mourir. Hein. Je vous souhaite, déjà, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux de confinement, notre santé d'être. Et puis, je me suis posé la question de ce que j'allais faire aujourd'hui. On arrive pratiquement à une semaine de confinement et félicitations à nous. Et je me suis dit, des idées j'en ai, mais trouver une bonne idée, pas si évident. Donc je vais vous emmener avec moi, on va faire un petit voyage si vous voulez bien. Je vous emmène avec moi. Je vous souhaite bon voyage. On va y aller. Je connais la source de mon sentiment. Je suis une goutte d'eau dans l'océan, une amertume, mon amertume. Parmi les étoiles, je ressemble à la lune. Je suis ce grain de sable isolé sur la dune, la solitude, ma solitude. Dans la foule, au cœur des grandes villes, je suis l'homme heureux qu'on oublie sur une île. L'incertitude, ma certitude. Ah, t'es là! Ah, tu m'as fait peur, j'étais en train de me préparer là. Voilà, ouais, oui, Jacques. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu vois bien, je me prépare, je vais voyager. Oui, Jacques, je sais, on a voyagé tous les deux, on a toujours voyagé ensemble, on a tout fait, on a fait tous nos voyages ensemble, je sais. Oh, t'es du dur à comprendre. Oui, c'est le premier voyage, je ne ferai pas avec toi, ok? Calme-toi, c'est pour ça que je voulais te parler avant de partir. Oui, on a voyagé du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, j'ai enterré tes parents, t'as enterré les miens, j'ai été à ton mariage, tu m'as accompagné dans mon divorce, j'ai vu tes enfants grandir, t'as vu mien grandir, d'ailleurs on peut le saluer, ciao. Mais là, non. Là, tu vois, ce voyage, je peux pas le faire avec toi, je peux le faire avec personne. Ça, c'est un voyage qu'on fait tout seul. C'est le seul voyage que tu peux le faire avec personne. C'est un voyage qui s'arrête. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, quoi. Il continue, quoi. C'est ta vie, tant que tu es vivant, tu le fais, ce voyage. Mais là, j'ai envie d'en prendre conscience. Parce que, comme on dit, les voyages font la jeunesse, mais il y a plus que ça qu'on veut. Il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi la sagesse à aller chercher. En faisant les voyages, tu vois, j'avais toujours un vide quand je rentrais. Et pourtant, j'en ai goûté des plats. J'en ai entendu des traditions. J'en ai vu des coutumes. Mais mes coutumes, mes traditions, mes goûts et couleurs à moi, c'est un peu mélangé avec tout ça, quoi. Je m'y retrouve plus, je suis plus dans la personnalité que l'identité. Et moi, j'ai envie de changer tout ça, tu vois. Non, tu peux pas venir, Jack. Jack, je sais. Tu vois, t'as de la chance avec ce période de confinement. On peut encore se parler parce que t'es mon voisin. On est même voisins, t'imagines. Amis d'enfance, voisins. Et franchement, mais là, je peux pas. Je comprends. Même moi, je te comprends, mais je ne peux pas. T'as du mal à comprendre. T'as toujours eu un petit peu de mal là-dedans. Faut élargir ta conscience, mon gars. Faut l'élargir un peu. Des fois, je me demande pourquoi t'es mon meilleur ami. Je dois être aussi con que toi, alors. Hein. Bon, d'accord. Je vais faire une exception. Une exception, d'accord. Je vais. On dit bien que l'exception fait la règle. Ah, tiens. C'est quoi? Ça, c'est un takiwalki.
Un petit taki-walki, très petit taki-walki. C'est très ancien, mais ça marche encore. Donc toi, tu vas l'avoir, d'accord? Puis moi, je vais avoir le mien. Et on va pouvoir communiquer pendant ce voyage que je vais faire. Tu viens pas avec moi, mais je te raconterai mes découvertes, si tu veux. D'accord? Comme ça, tu voyageras avec moi, mais sans voyager avec moi. Et puis moi, je ferai mon voyage tout seul, mais tu seras un peu avec moi. Comme ça, je ne vais pas déroger à la règle, parce que c'est un voyage qu'on fait tout seul. Tu comprends? On le fait tout seul, le voyage. Et personne ne peut t'aider. Tu vas sortir plus grand après ce voyage. Et puis là, tu vois, j'ai pris deux choses, juste deux choses. J'ai pris une ombrelle, tu vois, une ombrelle. L'ombrelle, elle va me permettre, quand je vais faire ce voyage, d'aller à la rencontre de certains espaces qui sont des espaces lumineux, lumière, pure lumière. Et cette lumière, quand je vais la rencontrer, on dit bien, la lumière tue. Ben moi, tu vois, je veux pas qu'elle me tue, la lumière. Mais au contraire, je veux qu'en sortant de cette lumière, je reste humble, je reste dans l'humidité. D'accord? Et puis ça, c'est une torche. Parce que cette petite torche, bah, quand je vais avancer dans mon voyage, bah, je rencontre autant la lumière que l'ombre. Mais l'ombre, quand je vais la rencontrer, et bah, je vais l'allumer. Comme ça, il y aura une lueur d'espoir. Ni être exalté dans la lumière, ni dans la dépression, dans l'obscurité, dans l'ombre, rencontrer mes ombres. Mais au contraire, la lueur d'espoir, que tout s'arrange. Comme là, tout va s'arranger, tu verras. On en sortira encore plus grand. Bon, oui. Bien sûr, il va se passer ce qui va se passer. Mais on sera plus grand. Ceux qui vont s'en sortir, ils seront plus grands. D'accord? Ok. Donc si tu veux bien, moi je vais être obligé d'y aller parce que je suis déjà en retard sur sur mon voyage et on va communiquer. Oh! Par là où je suis venu, enfin, sans parler, je voulais juste te dire, quand je vais ressortir par le nez, je vais éternuer comme un tchoum, et je reviendrai à la vie. Là je suis dans la merde jusqu'au cou, et je viens d'atterrir, je suis dans la merde jusqu'au cou, laisse-moi atterrir. Putain, pur. Ah. Attends, je monte tout doucement. Là, tu vois, je suis au bas-ventre. Plexus solaire, les émotions. Je suis en train de rentrer dans le monde des émotions. Oh, je suis pas mort. Oh, qu'est-ce qu'elles disent, les émotions? Oh, bah, toi, t'en as des questions. Qu'est-ce qu'elles disent, les émotions? Elles sont en train de m'expliquer on en sort encore très peu. Sur le langage des émotions et leur enseignement, et qu'il faudra apprendre dans le futur. Les êtres devront apprendre à comprendre les émotions, pourquoi elles sont là, les accueillir, comprendre leur enseignement pour avancer et plus dans la joie que dans la déprime, ou bien autre chose, le mal-être, plus dans le bien-être. Voilà, c'est ça. Leur rôle, c'est qu'on sorte du mal-être et qu'on va dans le bien-être. Le plus possible, mais pour ça il faut comprendre leur langage. Ah ouais. Je vais aller faire un stage. Ouh. Jack, je crois pas que je vais faire une escale. Je ferai aucune escale, je ferai deux ou trois stations, pas plus, parce que le voyage intérieur, je peux te dire, quand t'es face à toi, il faut être courageux. Oui, je monte tout doucement. J'arrive au cœur. Oui, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, là. Oh, je suis dans le cœur, là. Oh, qu'est-ce qu'il dit, le cœur? Oh, le cœur. Il a des choses à dire. Oh, le cœur. Ouh. Vous m'entendez? Vous m'écoutez pas? Écoutez votre cœur. Mais pour l'écouter, il faut qu'il soit en bonne santé, hein. Écoutez votre cœur davantage. Écoutez-moi. Écoutez-moi davantage. Oui. Et mettez la joie dans le cœur, dans ce que vous faites. Vous serez. Mettez de la joie dans le cœur, dans ce que vous faites. Mettez du cœur à l'ouvrage, dans ce que vous faites. Dans ce que vous dites. Dans votre façon d'être.
Et vous serez plus heureux. Oui, vous serez plus heureux. Écoutez-moi un peu. Écoutez davantage. Soyez moins dans l'intellect. Soyez moins dans l'intellect. Soyez moins dans l'intellect. Plus dans le cœur. Tiens, je vais pas rester. Il est trop dur ce voyage. C'est peut-être le voyage le plus dur. T'es encore là, Jack? Oui. Oh, merci. Tu sais quoi, je vais aller directement au mental et je vais ressortir. Parce que je suis fatigué. Oh. Tiens, pour que je vais revenir à la vie, prépare-moi un café. T'as compris? Prépare-moi un bon café. J'arrive, je dans le mental, les pensées. Ah, laisse-moi, oui, avec tes questions. Laisse-moi, ça vient. Oui, j'y suis. Qu'est-ce qu'il y a dit, ces pensées? Oh, merde! Ah, vous avez toujours pas compris, hein? Ah, ouais, vous êtes perdu dans vos pensées. Hein. On vous a tellement dit de réfléchir depuis que je vous ai petit. Pense. Mais c'est pas ça. Apprenez à observer vos pensées avant. Oui! Apprenez à observer vos pensées quand vous pouvez. Et regardez quel genre de famille de pensées arrive à vous le plus souvent. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire le tri avant d'agir, avant de parler. Observez. Oui, observez. Pour savoir faire le tri et garder ce que vous avez besoin. Et laisser passer ceux qui n'ont plus besoin de lieu d'être. Oui. Essayez. Ouais. Accompagnez-vous du cœur de temps en temps pour savoir si la pensée vous fait avancer ou plutôt stagner. Ah oui. Oh putain. Oh. Jack, je crois que je vais sortir, j'en peux plus. Tu vois. Passer des émotions au cœur et des pensées. C'est déjà énorme. J'ai l'impression que j'ai fait un tour du monde en 8 secondes. Et ben voilà, j'ai fait mon petit voyage intérieur. Ouh, ça m'a pris de l'énergie. Mais je suis content. Je me suis un petit peu visité. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je rappelle que c'est de l'impro. Finalement, le confinement, on peut aussi s'amuser. On est des grands enfants, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous pensez que ça peut aider un de vos prochains, likez et partagez. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit délire, qui a sûrement du sens, en tout cas pour moi. Et je vais vous souhaiter, si vous avez réussi à faire une belle semaine de confinement, sachez que vous avez le droit d'avoir des faiblesses, des affaiblissements, des démotivations. Et si vous l'acceptez, vous aurez aussi le contraire, dans la même journée, des joies. Des petits bonheurs, des moments heureux, seul ou accompagné, en appelant pour communiquer, en passant par des plateformes telles que Zoom, Skype ou WhatsApp. Je vous souhaite de vous en sortir et d'être plus grand, plus heureux. Parce qu'on est venu sur Terre pour être heureux. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis peut-être à une prochaine. À votre santé d'être. Ciao !